Moi, en tant qu'islamologue, je travaille beaucoup plus sur des auteurs musulmans, des penseurs musulmans dits réformistes, donc qui sont qu'on appelle les nouveaux penseurs d'islam. Et d'une manière générale, ces penseurs-là, comment ces penseurs-là voient l'islam au XXIe siècle? J'ai travaillé par exemple sur un penseur pakistanais, Fazlur Rahman, qui est mort en 1988 et qui voyait un certain nombre de défis que l'islam devrait relever si les musulmans veulent arriver à faire face au défi de l'islam à la fois au XXIe siècle, c'était pour lui le défi de l'éducation. Arriver à mettre un système d'éducation qui soit un système d'éducation moderne et qui s'appuie davantage sur la pensée critique que sur l'assimilation des textes, par exemple. Et dans ce cadre-là, il fait une critique que moi, je trouve pertinente, qui est, dans la plupart du monde arabo-musulman, vous avez la juxtaposition de deux systèmes éducatifs. Le système éducatif moderne, vous avez des universités modernes, donc qui enseignent les sciences comme on pourrait les enseigner ici à Paris, etc. Et vous avez le système traditionnel, où on est dans l'enseignement religieux traditionnel. Et Fazlur Rahman disait que ces deux systèmes ne communiquaient pas ensemble. Cette juxtaposition de deux systèmes éducatifs, pour lui, c'était un des défis majeurs dans le monde arabo-musulman, et arriver à faire évoluer l'enseignement religieux, l'enseignement traditionnel, le système traditionnel, vers un système moderne qui serait beaucoup plus soucieux de la raison, de la critique et de toute la distance nécessaire envers les textes religieux. Et surtout, qui serait davantage préoccupé par une relecture des sources religieuses, une relecture des textes scripturaires de l'islam. Dans le chiisme, vous avez la question de l'imama, etc. Et aussi dans le sunnisme, un certain nombre de penseurs réformistes musulmans aujourd'hui disent que si en théorie il n'y a pas de clergé dans le sunnisme, dans l'islam, de fait, il y a un clergé, parce qu'il y a des érudits, des savants qui ont le monopole de l'interprétation des textes et qui peuvent, par exemple, condamner une lecture nouvelle du texte coranique. Les penseurs réformistes restent optimistes sur le devenir de l'islam, sur le fait que l'islam arrivera à épouser les exigences, en fait, de leur époque, à travers une nouvelle herméneutique du texte coranique, à travers une nouvelle relecture de l'héritage et de la tradition du prophète, pour ancrer l'islam, pour que l'islam se marie avec ces périodes et que l'islam se renouvelle. La première étape à passer, c'est celle de l'éducation, pour qu'il y ait le plus grand nombre, le plus d'esprits disponibles dans le monde arabo-musulman pour pouvoir entendre un discours critique sur l'islam, un discours distancié par rapport au texte scripturaire de l'islam. Thank you.